Donc vous allez voir ou revoir, peut-être, je ne sais pas, Hippocrate, qui est un film qui a été présenté à la Semaine de la Critique il y a 2 ans, je crois, qui a rencontré un vrai et un grand succès public et qui a même mené Reda Kateb jusqu'à la cérémonie des Césars, et pour avoir ce César du meilleur second rôle, qui est toujours quelque chose de très, on pourra en reparler, mais très, très bizarre, cette partition entre premier rôle, second rôle, alors que là, vraiment, il y a quelque chose de vraiment très beau dans ce film, notamment que vous portez. Peut-être quelques mots de présentation sur ce film, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ben, je vais être bref, parce qu'on va venir après la projection pour discuter avec vous. Si vous voulez rester, ce sera un plaisir. Non, je remercie encore une fois le Forum des Images de me faire cet honneur de présenter plusieurs films dans lesquels j'ai joué et d'y voir un peu un lien, un fil rouge, d'inscrire ça dans ce festival, un état du monde et du cinéma. Avec Hippocrate, vous allez voir un état de l'hôpital en France. Pas dans le monde, mais en France, c'est vraiment un film qui est très ancré dans cette réalité française que connaît bien le réalisateur, puisqu'il a lui-même exercé en tant que médecin avant de faire du cinéma. Et je vous laisse découvrir le film, on en parlera après la projection. Bonne projection. Merci. Merci beaucoup. Qui parmi vous découvrez le film? Ah oui, donc ça fait encore beaucoup de gens qui n'ont pas vu Hippocrate. Tant mieux. Qui n'avaient pas vu en tout cas. Et, bah, je vais poser la première question avant de vous passer la parole. Peut-être ma première question sera simple, c'est comment Thomas Lilty vient vers vous et vous apporte le rôle et comment on prépare ce genre de rôle-là. Donc c'est une question très large, mais j'ai l'impression que quand on joue un médecin, il y a peut-être le fait non pas du déguisement, mais de la panoplie qui fait qu'on entre non pas plus facilement dans le rôle, mais qu'il y a quelque chose qui déjà est présent. Alors comment on prépare ce rôle-là? J'imagine qu'il y a des gestes, des choses à accomplir. Oui, alors Thomas Lilty m'a envoyé son scénario sans que ce soit une proposition ferme. Il avait des idées, il voulait rencontrer plusieurs acteurs pour ce rôle. Le rôle de Vincent Lacoste dans le film avait été vraiment écrit pour lui, mais pour ce qui est du mien, les choses étaient encore ouvertes. Un bon scénario, ça fait vraiment la différence. Vous le sentez vraiment rapidement lorsque vous le lisez. En tout cas, un scénario d'un film que vous avez envie de faire. C'était mon cas, donc j'avais très envie. Et ensuite, on a fait une petite séance d'essai avec Vincent Lacoste. Ça matchait bien, il y avait des choses qui se passaient apparemment. Et ensuite, on a fait une espèce de teaser qui participait au financement du film, dans lequel on a tourné une scène qui n'est pas dans le film, mais à l'hôpital. Et donc, c'est finalement la première fois que j'ai endossé la blouse blanche. J'ai senti un peu ce que ça faisait d'avoir une blouse de médecin dans un hôpital. Des gens nous demandaient leur chemin. Lorsqu'on traversait les voitures s'arrêtaient longtemps avant. Enfin, il y a un truc, le pouvoir de ce costume-là. Et ensuite, on a eu finalement assez peu de temps pour préparer le film. Pendant une journée, on s'est fait passer, Vincent et moi, pour des stagiaires. Donc, on a fait la tournée des chambres. Dans un hôpital, déguisé en stagiaire. Et une chose qui m'avait vraiment frappé, c'était les attentes des patients et les regards des patients et toute la confiance avec ce que ça peut avoir de beau et le poids aussi que ça met sur vous lorsque vous avez cette fameuse blouse blanche. Et puis ensuite, on a assez rapidement commencé le tournage. Moi, je crois que j'étais. Je rentrais d'un film au Kenya juste avant de commencer Hippocrate, donc j'avais eu peu de temps juste avant pour me mettre dans le truc. Et j'étais assez traqueux en fait à l'idée d'endosser justement le costume du médecin, plus que le parcours lui-même du personnage. C'était une chose, l'idée d'incarner un médecin, c'était une chose totalement nouvelle. Il y a toujours cette chose de crédibilité qui peut se poser pour un acteur. De se demander s'il va être crédible dans le rôle. Donc, c'est les grandes inquiétudes d'avant-tournage, les grandes peurs.
Et j'ai été rassuré parce que Thomas Little, réalisateur, scénariste du film, est lui-même médecin. Et finalement, j'avais sur le tournage un regard de quelqu'un qui, à chaque moment, sentait si tel geste, telle attitude, telle parole, telle chose était crédible ou pas. Donc plus que passer par l'intermédiaire d'un expert qui ferait ses notes au réalisateur qui ensuite reviendrait vers vous, et ça, c'est, il y a plus de filtres. Là, c'était très direct et du coup, de ce point de vue-là, je me sentais très guidé. Le film a été tourné, je crois, dans un véritable hôpital avec un personnel hospitalier qui était figurant, on va dire, mais qui était un véritable personnel, c'est ça? Alors, en partie, il y a une partie du film qu'on a tourné dans une espèce de studio reconstitué de l'hôpital Broca, une aide de l'hôpital Broca désaffectée qui a été transformée un peu en studio. Mais c'est vrai qu'il y avait, enfin, les infirmières du film sont pour la plupart des vraies infirmières dans leur vie. Voilà, il y avait des gens qui amenaient leur crédibilité, la crédibilité de leur travail. Et puis on a tourné aussi à l'hôpital de Garches, qui est l'hôpital qui soigne les grands blessés, notamment des accidents de voiture et tout. Et dans cet hôpital, on a tourné la scène de la cantine, par exemple, au début. Assez peu, finalement, les scènes des chambres des patients. Mais oui, on était absolument nourris par tout ce qui se passait autour de nous, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des commentaires? Oui. Les patients, c'était vraiment plus que les infirmières, et les infirmiers, c'était des vrais professionnels. Parlez dans le micro, merci. Est-ce que les patients, c'était vraiment des patients, ou des peut-être pas des acteurs, mais enfin des... C'est des professionnels de la patience. Non, c'était vraiment... Qui sont des acteurs, du coup, parce que... Non, mais c'était vraiment très crédible. Mais merci. C'est vrai. Non, mais c'est... Non, en fait, c'était des acteurs. Mais je plaisante en vous répondant, parce que c'est vrai qu'en tant qu'acteur, on doit avoir un peu de patience. Mais la dame, par exemple, qui joue Madame la... Madame Richard. Oui, Madame Richard. Ouais. C'est une actrice qui a passé toute sa vie sur des planches de théâtre. Et d'ailleurs, pour qui c'était très difficile de ne rien faire. Il y avait un moment où il fallait qu'elle soit juste allongée, les yeux fermés, et puis elle exprimait toujours des choses. Elle a tendu une douleur aussi, elle a fait sa petite... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'était des acteurs. Ce sont de bons acteurs, en tout cas. C'est vrai. Non, c'était ouais. Très réaliste, hein, c'est... Merci. D'autres réactions? Moi, je me demande toujours comment on vous prépare. Donc, vous dire que vous reveniez du Kenya, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on capte un personnage comme ça? Est-ce que, donc, il y a évidemment le costume, etc. Mais comment on... Parce que c'est l'un des personnages les plus importants vraiment, du film, qui à la fois... donc, il y a Vincent Lacoste, dont on suit le parcours initiatique, on va dire. Mais donc, votre personnage est à la fois dedans et en dehors, mais c'est vraiment ce qui fait basculer, j'ai l'impression, le propos du film, vraiment. Et comment, donc, on capture comme ça un personnage qui est très intériorisé, mais qui en même temps va vraiment basculer l'histoire? Oui. Bon, en tout cas, surtout pas en se posant des questions de rôle principal ou de rôle secondaire. C'est vraiment des choses qui reviennent au moment de la promotion des films, mais c'est pas des choses qu'on se pose. Comment est-ce que ça se passe? J'essaie de me remettre dedans, parce que là, pour le coup, c'était il y a un petit moment. Parce que dès la lecture du scénario, il y a quelque chose qui, voilà, enfin, qui naît, enfin, les lunettes, porter des lunettes, mais c'est quand même, voilà, c'est des accessoires très importants qui décalent un petit peu le rôle ou pas. Voilà, comment tout ça se met en place dans votre manière d'aborder un rôle?
Il y a effectivement, comme vous dites, le costume, l'apparence, cette chose-là, et puis l'envie d'être crédible dans le métier, quel que soit le métier, que en quelques images, dès l'apparition du personnage, le spectateur ne se pose plus la question de est-ce qu'un acteur est en train de jouer un médecin ou est-ce que c'est un médecin. Voilà, moi j'avais un peu de mal à croire que je pouvais être un médecin. C'est le réalisateur médecin qui m'a aidé à y croire. Et ensuite, non, c'est vraiment cette chose du regard des autres posé sur vous, en fait. C'est-à-dire que très souvent, vous existez à travers le regard des autres, quel que soit votre métier. Et si, et beaucoup pour les acteurs, la question de la légitimité est évacuée dans la mesure où un réalisateur croit, en plus, en l'occurrence, un réalisateur médecin, croit que vous êtes un médecin. Et moi, assez rapidement, non, il y a cette question des médecins étrangers aussi, qui est une question qui m'a touché et je trouvais que c'était important de mettre un focus aussi sur ce sujet-là. Et plus que le costume, plus que comment moi je le vivais de l'intérieur, c'était finalement le regard des patients sur leur médecin. Et je me suis rendu compte, puisque j'ai toujours été en tant que patient ou en tant que famille de patients, avec toutes les attentes qu'on a vis-à-vis des médecins, et pour la première fois ce jour du teaser dont je vous parlais, lorsqu'on a tourné ce petit bout, je me suis rendu compte de toutes ces attentes et de toute cette confiance, et de tout le poids de cette confiance. Et j'ai peut-être mieux compris pourquoi des médecins, par exemple, parfois se couvraient lorsqu'ils me donnaient des nouvelles de quelqu'un de ma famille qui n'était pas bien, mais ils voulaient ne pas dire tout ce qu'ils savaient, ou en tout cas, il y a un rapport aussi au langage qui est différent. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses plus intérieures que la blouse et que le costume, et c'était plus des vraies pistes à travailler. Après, le costume aide, et le costume pour un médecin fait beaucoup. J'imagine que c'est la même chose si on joue un flic ou un pompier ou d'autres métiers dans lesquels le costume incarne beaucoup de choses. Mais comme piste, et par rapport au parcours que j'avais sur ce rôle, il y avait vraiment cette chose du regard des patients, quoi. Et qui a changé du coup mon regard sur les médecins en tant que patient. Une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je voulais poser une question qui relève plus de la mise en scène ou du choix de scénaristique, mais que pouvoir quand même rebondir dessus. Voilà, en fait, moi j'étais un petit peu surprise par la solidarité qui est mise en avant, ne serait-ce que dans un service même, entre les médecins, les infirmières, et même entre collègues. Je trouve que ce film choisit de ne pas trop mettre en avant un peu les aspirations personnelles qu'on pourrait imaginer. Un peu carriériste, un peu arriviste, voilà, on sent que tout le monde est un peu à fleur de peau, en fait, et qu'il suffit qu'il y ait juste une goutte d'eau pour que ça explose, et on est un peu surpris de ce ressenti-là, parce qu'on se dit que c'est des gens qui donc sont face à des situations pour lesquelles il faut faire une preuve de maîtrise de soi, et en même temps, il y a ce côté un peu bombe à retardement qu'on sent chez chacun, et du coup, je me doute, que vu que le réalisateur est médecin, que ça doit être réaliste, mais ça m'a quand même surpris. Alors, votre vision des choses, ça m'intéresse. Je connais effectivement moins les coulisses de l'hôpital qu'il ne les connaît. Donc, comment vous répondre par rapport à ça? Le côté bombe à retardement. C'est-à-dire qu'avec ce film, vous pénétrez dans les coulisses de quelque chose qu'on ne voit pas les uns les autres lorsqu'on va dans des services d'hôpitaux. Et c'est sûrement des moments de décharge aussi, quoi. C'est sûrement des moments dans lesquels des choses qui sont contenues, qui sont intériorisées, peuvent se lâcher et peuvent être un peu un exorcisme, quoi. Il y a beaucoup cette chose-là. Après, pour ce qui est des médecins étrangers, il y a vraiment une force de travail incroyable qui est donnée pour un salaire vraiment minimum, quoi, et une considération qui est vraiment minime donnée à ces gens-là par rapport aux responsabilités qu'ils ont. Il faut savoir que
Notamment en région parisienne, dans les urgences, il y a à peu près 50% des médecins qui sont des médecins étrangers et des FFI, quoi, comme on les appelle dans le film, et que cette précarité, eu égard à ses responsabilités de l'autre côté, c'est une chose qui, je pense, que, ouais, qui met dans un état un peu d'instabilité, quoi. C'est pas à la fois d'avoir à gérer de telles responsabilités et de ne pas être reconnu, c'est une chose énorme. Donc c'est pas une réponse de mise en scène que je vous fais, mais plus une réponse de presque de documentaire, quoi, de ce que j'ai pu observer ou des informations que j'ai pu avoir sur comment se passent les choses dans les hôpitaux. Après, je crois que pour ce qui est du point de vue du réalisateur, il y avait vraiment sur ce film-là, l'envie d'être fidèle à une chose qu'il avait vécue, mais d'un point de vue et d'une personne. C'est-à-dire, c'est nullement le traitement exhaustif d'un sujet, quoi. C'est lui, son expérience. D'ailleurs, il s'est plus projeté, lui, dans le personnage de Vincent Lacoste, et mon personnage dans le film est plus un type qui l'a aidé à un moment où il était complètement paumé, où il débarquait en tant qu'interne à l'hôpital et où que des études livresques, ou en tout cas, enfin, ou quelques stages, mais peu d'expérience dans ce domaine-là. Vous étiez interne vous aussi dans le film. Donc, oui, sauf que... Ouais. Vous aviez plus d'expérience, on peut pas vraiment le savoir. Alors, oui, dans le film, je suis interne aussi, mais je suis faisant fonction d'interne, FFI. Ce qui est, en fait, pour ce qui est le cas de mon personnage, un type qui est cardiologue en Algérie, donc qui est médecin, mais plus que généraliste, qui a fait une spécialisation, et qui, en France, retourne au statut d'étudiant, tout en étant employé avec les mêmes responsabilités que les autres médecins. Cette chose-là concerne énormément de médecins qui nous soignent. Donc ce qui fait la différence, c'est beaucoup les salaires, en fait, la reconnaissance matérielle du travail, quoi. Moi, ça m'a donné l'impression que le cinéaste a voulu mettre l'accent sur les médecins étrangers. Pardon, que le cinéaste a voulu mettre l'accent sur les médecins étrangers. Alors bon, on est en France, c'est un film français et ça se passe dans les hôpitaux français. Je sais bien qu'il y a beaucoup de médecins étrangers, dans les hôpitaux qui n'ont pas le même statut, même s'ils ont professionnellement la qualité de leur fonction. Et je ne sais pas si... Est-ce que c'est... Excusez-moi, je me permets de vous le dire, comme vous êtes algérien d'origine, est-ce qu'il a voulu mettre l'accent par rapport à vous, acteur, et jouant ce rôle, ou est-ce que c'est parce que c'est la réalité aussi dans les hôpitaux français? Je ne sais pas trop. Il faudrait lui demander, mais en tout cas, moi, je sais que lui, dans son expérience, enfant de chef de service, je crois qu'avec ce rôle, il avait aussi envie de rendre hommage, finalement, à quelqu'un qui l'avait aidé et qui l'avait épaulé dans une période dans laquelle il était un peu paumé et dans laquelle il était plus reconnu que quelqu'un qui avait beaucoup plus de compétences que lui. C'est pas, mon personnage n'est pas un panel de tous les médecins étrangers qu'on peut rencontrer, et le film n'est pas un traitement exhaustif du sujet des médecins étrangers, mais je crois que c'est une chose dont il avait envie qu'on parle, en tout cas, et que le film a plus ou moins servi à ce qu'on en parle. C'est pas un peu son histoire aussi, puisqu'il est médecin. C'est un peu de son histoire, en effet. Je me demandais quelque chose. Alors, il y a une... on va d'abord une question ici, ensuite dans le fond. C'est minuscule, c'est juste savoir qu'est-ce que c'est le symptôme oxyche, là, pour Monsieur Richard. Vous l'avez dit deux fois, il a le symptôme machin, puis personne ne le reprend, ce symptôme. Moi, je voulais savoir ce que c'était. Je ne sais quel plus comment symptôme ça s'appelle. Au début, quand il arrive, Monsieur Richard, qui était... Et après, dans la salle de garde, vous en parlez. Ah, des fausses réminiscences, en fait. C'est-à-dire qu'il pense c'est que... un symptôme de ça. Lorsqu'il dit on s'est croisé au Club Med à l'époque, etc., en fait, c'est des faux souvenirs.
dont je me souviens moins bien de vous parce que le film je l'ai tourné il y a plus longtemps que vous l'avez vu. Le syndrome de qui a un lien avec. D'accord. Korsakov. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien l'alcoolisme. C'est pas le Kerensky, mais. Vous y allez du coup. On a eu sa réponse. Ok. Bonsoir. Oui. Bonsoir. J'ai une question, c'est un peu personnel, mais en fait, je voulais m'interroger sur votre parcours en tant qu'acteur, enfin, par rapport à ce film. En fait, vous avez un jeu assez naturel. Mais on sent que vous avez quand même un rapport, enfin, que vous avez des, pas des connaissances, mais que vous avez un vécu par rapport au milieu hospitalier. Même si vous êtes un peu, vous arrivez, on sent que c'est pas non plus, enfin, que vous êtes nouveau dans le film. Et je voulais savoir quelle méthode d'acteur vous aviez, enfin, parce que je vous connais pas trop, enfin, j'ai pas vu beaucoup de films de vous. Et vu que je fais, enfin, que ça m'intéresse beaucoup, je voulais savoir quelle, enfin, quelle était votre méthode et si vous appuyez sur votre vécu pour jouer sur ce genre de rôle ou, enfin voilà quoi. Merci pour cette question, non c'est pas si personnel que ça. Enfin c'est pas que c'est personnel mais c'est un peu, enfin c'est vous demandez un peu comment vous jouez, comment vous vivez le truc, si vous êtes tout le temps dedans quand vous jouez, parce que après peut-être que vu que c'est pas, enfin j'ai dit que vous aviez un jeu naturel, mais peut-être que c'était pas évident de se retrouver dans un monde, enfin dans un milieu hospitalier pour jouer en fait. Alors du coup, enfin d'un point de vue personnel pour répondre à votre question, ma mère était infirmière et donc j'ai enfant été dans le milieu hospitalier. J'allais voir ma mère dans ses services, dans les services où elle travaillait. J'étais à la garderie de l'hôpital. Voilà, j'ai pratiqué l'hôpital comme un fils d'infirmière. Et pour ce qui est par contre de comment j'envisage les métiers dans mon travail, c'est à la fois une force de conviction, de se dire qu'on est médecin quand on joue un médecin, on est agent de sécurité quand on joue un agent de sécurité, enfin la question n'a plus lieu d'être à partir du moment où on y est. C'est peut-être observer les gens aussi qui font ces métiers-là lorsqu'on prépare ces films-là et être vraiment à l'écoute d'eux et les regarder. Et puis ensuite, c'est être avec des gens qui croient que vous l'êtes. Puisque voilà, cette chose-là se fait quand même beaucoup avec le regard des réalisateurs ou le regard de quelqu'un qui connaît le milieu dont on parle ou quoi. Et c'est vrai que la crédibilité des métiers est une chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Que je joue un médecin, un chauffeur de taxi, je ne sais quel rôle, enfin, si dans les premières images on a l'impression qu'on a un acteur qui joue, qu'il a un métier, ça va être difficile de l'embarquer pour raconter une histoire. Alors que partant de là, on peut partir dans une histoire ensemble. Et pour ça, on apprend des gestes, enfin, comme on joue, on apprend à jouer un instrument de musique, parce que là, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un acteur. J'ai l'impression qu'on ait cette impression de naturel directement dès le premier plan. Après, c'est vrai que très concrètement, sur le plateau, plus que la préparation, qui est des fois longue en fonction des rôles, ou plus réduite en fonction et des rôles et de ce qu'on a fait juste avant et du temps qu'on a pour préparer. C'est sur le plateau, je sais pas, pareil, le rapport aux accessoires. Mais ouais, du coup, votre travail d'acteur, enfin, de préparation au personnage, vous le faites avant le tournage, c'est-à-dire plusieurs mois avant, c'est-à-dire vous mettez vraiment dans la peau du personnage, vous vivez le truc pour vraiment être dans le rôle quand vous le faites, ou c'est vraiment spontanément sur le tournage que ça vient, que les idées viennent et que vous laissez aller, enfin. Même s'il y a un travail derrière, est-ce que vous faites un travail sur vous-même pour vous préparer à jouer un rôle ? Oui, mais plus que d'être dans la peau du personnage des mois avant, je ne crois pas à cette chose-là. J'essaie d'être dans ma peau à moi, ça me va. Les métiers sont une chose vraiment une très bonne matière, parce que c'est un truc dans lequel
les personnages en question passent énormément de temps, qui patinent, qui façonnent leurs gestes, leur corps, leur manière d'être avec les autres et beaucoup de choses. Et puis après, sur le plateau, il y a une chose, c'est vrai que il y a certains acteurs qui, pour ce qui est des accessoires, se font servir les accessoires un peu sur un plateau juste avant de tourner une scène. Moi, je suis fou avec les accessoires. C'est-à-dire, même si c'est un style oblique, j'ai besoin que le style oblique, j'enlève, je remette le bouchon 40 fois avant de commencer à tourner, de tout ce qui est des gestes, d'ouvrir une porte et la fermer si je suis censé être chez moi ou dans un endroit que je connais, je sais que je ne vais pas ouvrir cette porte en me demandant comment marche la poignée, quoi. Enfin, donc j'ai besoin de m'entraîner beaucoup. Mais ça se fait vraiment sur le moment, c'est le jour même. Du coup, ce n'est pas sur le moment, dans ce que vous voyez, qui reste à l'écran, mais c'est sur le moment, dans tous les temps, pendant lesquels on doit être patient. Donc, plutôt que d'attendre assis, on joue avec des stéthoscopes. Et puis, en l'occurrence, il y avait beaucoup de personnel hospitalier sur le film, donc je les ai saoulés, posé 40 000 questions tout le temps sur les objets que j'avais à tenir, les choses, enfin je... D'accord. Et du coup, les objets, enfin, pour vous, les costumes, c'est important aussi pour vous préparer à jouer, alors, du coup. Oui. Enfin, on va dire que, quand je parle de préparation, je dis pas qu'il faut préparer, travailler un personnage des mois avant, mais juste s'interroger sur le passé du personnage, en fait. Comme si c'était nous, mais... s'approprier un personnage, quoi, mais quelques temps avant le tournage, parce qu'après, oui, j'imagine que sur le tournage, ça vient naturellement. Après, comme vous disiez, vous avez des objets pour vous préparer, pour mettre dans la peau de votre personnage, mais peut-être que bien avant un tournage, vous avez déjà, vous préparez déjà au rôle que vous allez jouer. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est de la documentation, c'est un travail même de curiosité, comment dire, au-delà du côté d'être acteur, quoi, d'être curieux de pouvoir pénétrer des réalités pendant un temps et puis connaître un peu différemment cette chose-là que si on l'avait vécu en touriste ou voilà, mais rien ne remplace finalement le moment, quoi. C'est-à-dire que à l'instant T, dans ces journées-là, il y a beaucoup de temps pendant lequel on peut s'inspirer de choses et essayer des choses. Il y a aussi cette idée qu'on ne cherche pas la prise parfaite, qu'à chaque prise, c'est de la matière, bonne ou mauvaise, mais que c'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est d'être immobile sans rien proposer ou quoi. Ça, c'était Jacques Audiard qui m'avait dit ça avant qu'on commence Un prophète. J'avais vraiment les jetons avant de commencer ce film. Et il m'avait dit, je t'en voudrais pas de me proposer des choses à côté. En revanche, si tu me proposes rien, je serais pas content. Ça m'est resté. De se dire qu'on fait des prises, c'est de la matière. De la même manière que même quand on finit un film, on a livré des rushs, mais le film s'écrit énormément au montage. Il y a le scénario qui est une forme d'écriture, le tournage qui est encore une autre forme d'écriture, et puis après il y a toute une écriture du film qui se fait sans les acteurs, qui est dans une salle de montage. Combien de prises il peut avoir pour une scène? Ça dépend vraiment. Bon, je répétais pour tout le monde, combien de prises pour une scène, dans ce film en tout cas? Alors, cette chose-là dépend vraiment des réalisateurs, mais sur ce film-là, et puis des scènes aussi, pour le coup. Mais sur ce film-là, on a rarement dépassé 3-4 prises. 4 prises peut-être, je sais pas. Enfin, je dis ça, après, il y a la question de prise et d'axe. C'est-à-dire que, en général, on commence par faire ce qui s'appelle un master, qui est l'espèce de plan large qui va servir de référence à la scène, qui va servir à nous à reprendre finalement des gestes, raccords qu'il y avait dans ce plan large. Cette prise, ce master-là peut prendre quelques prises, et après il y a toutes les prises de tous les plans qui sont par là, par là, par là, par là, on va la resserrer large, enfin après on est décortiqué.
sont pas mal de couture. Une question là-bas, oui. Oui, alors vous nous avez parlé, bonsoir, vous nous avez parlé bonsoir. Très bien des métiers, que vous aimez beaucoup faire vos rôles d'acteur, bon, c'est forcément presque toujours un métier. Alors ma question, c'est plutôt sur le futur. Quel métier, quel est le rôle, enfin quel métier vous n'avez pas fait, que vous aimeriez faire en tant qu'acteur? Eh ben, ce sont mes prochains projets, donc... Il y a notamment un flic des stupes, d'accord. Que j'ai jamais fait. Et puis voilà. Je suis un peu. Alors non, mais là pour le coup, je l'ai déjà fait, donc c'est... d'accord. Donc je un guitariste qui s'appelle Django Reinhardt que j'ai joué, qui est dans un film qui sortira en avril. Et pour le reste, non, je suis un peu superstitieux, donc je parle pas. Mais j'essaye d'aller toujours vers des nouveaux métiers. C'est ça, moi, que j'aime aussi beaucoup avec ce métier d'acteur. Finalement, j'ai eu beaucoup de mal à me demander quel métier j'aimerais faire dans la vie. J'avais envie de plein de métiers. Et en ce moment, en tout cas, ce métier me permet d'en faire plein. Merci. Merci à vous. Une question ici ? Oui, je voulais simplement dire que le film était crédible d'un bout à l'autre. Le jeu d'acteur, vraiment, j'étais émerveillée. Et je pense que c'est un... Enfin, je ne connaissais pas Thomas Lipti, mais je trouve très intéressant parce que c'est un film engagé. Comme vous l'avez fait remarquer, beaucoup de problèmes sont abordés, non seulement la souffrance de l'hôpital, mais le regard, en fait, c'est pas ça que je veux dire. Il y a beaucoup de problèmes qui sont abordés, notamment l'attitude vis-à-vis de la mort, les choix qu'il y a à faire, l'engagement de l'hôpital, enfin la responsabilité et tous les problèmes juridiques de poursuite qui peuvent se poser. Il y a le problème, comme vous l'avez dit, des FFI, enfin il y a un nombre incroyable de problèmes qui montrent que le réalisateur connaît, je suppose, enfin moi je ne suis pas du tout dans le domaine médical, mais c'est un film crédible et qui nous apprend quelque chose. Quand on va au cinéma, on aime bien s'amuser aussi, rire un peu, et vous réussissez à nous faire rire sur des choses qui sont qui frôlent le tragique, hein, faut bien le dire. Et ce qui m'a paru vraiment très intéressant aussi, c'est l'attitude que vous avez, vous et Benjamin, enfin vous, le rôle, le personnage, et Benjamin, lorsque tout le monde fait la fête, etc., parce que bon, il faut se défouler à un moment pour évacuer certaines choses, mais que vous passez alors dans ce courant sans en faire partie. Et ça, je trouve ça bien parce que ça montre deux attitudes. J'arrive pas trop à exprimer tout, mais vraiment, j'ai trouvé très, très, très bien ce film. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Et je vous remercie aussi pour votre talent d'acteur. Voilà. Merci, madame. Nouvelle question. Oui, non, je voulais demander pour le John. Pardon, merci. Pour vous annoncer qu'en avril, il va y avoir un film de Django Reinhardt dans lequel vous jouez le rôle de Django Reinhardt. Oui. Alors, vous êtes en train d'apprendre à jouer de la guitare. J'ai déjà tourné le film, donc heureusement, j'ai ah, ça y est, déjà. Ah oui, c'est bien. Non, mais parce que c'est intéressant, en fait. C'est vrai que c'est le rôle d'un acteur aussi. Mais alors là, vous avez appris à être médecin, enfin interne, je suis. Là, vous allez apprendre à jouer de la guitare. Le flic, va falloir apprendre à faire le flic. Et puis, je ne sais pas, autre chose, l'avocat, une autre fois. Et puis, mais c'est pas facile, en fait, parce que vous êtes obligé d'apprendre, je ne sais pas. Ou alors, vous êtes doublé, par exemple, pour Django Reinhardt. Je courrais aller le voir, hein, le Django Reinhardt. Mais... Tu fais déjà un spectateur. C'est bien. Ah non, j'ai pratiquement vu tous vos films, tout vu et revu. Non, c'est vrai. Non, mais je suis pas doublé. Enfin, il y a une doublure pour ce qui est des gros plans sur la main. En revanche, dès que c'est cadré là, c'est bon. Je vous dis. D'accord.
au grand malheur de la personne qui avait la société d'effets spéciaux qui aurait préféré qui n'a pas eu beaucoup de travail. Mais non, ben c'est voilà, c'est ce que je voulais, et c'est la chance que j'ai, quoi, d'un jour être un médecin, un jour un guitariste manouche avec deux doigts brûlés. Donc vous avez déjà tourné le film? Oui, ça y est, il est tourné. Et pourquoi il sort en avril seulement? Enfin, moi, j'y connais rien, mais. Alors, souvent les films. Il y a tellement de choses à faire encore. Souvent les films sortent un an après le tournage. Le tournage, c'est une chose, mais après, il y a énormément d'étapes pour qu'un film soit fini. Il y a le montage, le montage qui prend du temps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mixage, l'étalonnage, il y a beaucoup d'étapes. Et puis après, il y a pour les distributeurs de trouver le bon créneau, le bon endroit, la bonne manière de sortir le film. C'est quand même des enjeux aussi économiques, quoi, qui nous dépassent un peu, mais qui font partie de cette industrie du cinéma. Et pour revenir, on parlait de Thomas Lipti, le réalisateur. C'est vrai qu'il a son dernier long métrage en date, en tout cas, donne une autre version, une autre vision de la médecine, puisque c'est Médecin de campagne. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec François Cluzet. Et c'est le même réalisateur, et Marianne Denicourt, dont on avait l'impression que c'était comme une renaissance dans Hippocrate. Et ma question était justement sur l'une des grandes réussites, et d'avoir cet aspect documentaire, mais aussi ce souffle romanesque, je trouve, dans Hippocrate, qui est vraiment ce qui emporte aussi les acteurs, et c'est ce sentiment d'avoir, alors on appelle ça parfois des films, un film choral, ouais, mais ce sentiment d'un ensemble d'acteurs qui, et ça c'est assez rare au cinéma, cette énergie. Donc est-ce qu'il y avait vraiment cette énergie sur le plateau, c'est-à-dire cet échange entre tous les acteurs, dont en effet ni premier rôle ni second rôle, mais vraiment voilà, cette énergie-là qu'on sent vraiment à l'écran. Ah oui, complètement, complètement. Et je pense que c'est une des choses qui sont amenées par la crédibilité des gens qui étaient infirmières, par exemple, qui sont venus faire des petits rôles dans le film. C'est-à-dire que les acteurs ont besoin de gens qui sont plus crédibles qu'eux, quoi. Donc ils ne font pas les acteurs, ils apprennent de ces gens-là aussi. Et puis après, oui, c'est vrai qu'il y avait un vrai esprit de troupe, quoi, sur le tournage. C'était pas un tournage, comment dirais-je, enfin, sans donner de nom, mais de film dans lequel l'acteur vient deux minutes avant de tourner et ne dit bonjour à personne, quoi. Enfin, c'était quand même. Et dans le découpage, on sent qu'il y a beaucoup de scènes, il y a rarement de monologues ou de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment, voilà, on est toujours dans l'interaction. Enfin, ce qui est aussi le cas d'un hôpital. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses, oui, de groupe, il y a beaucoup de choses de. Et puis en même temps, il y a l'intimité de la chambre d'hôpital qui est encore autre chose. Oui, après, je ne saurais pas comment vraiment définir l'atmosphère, parce qu'on l'a tourné il y a peut-être maintenant 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis c'est difficile de mettre en mots l'atmosphère d'un tournage, mais il y avait quelque chose de simple. On a essayé de faire ensemble, de raconter une histoire ensemble, quoi. Voilà. Et avec des gens qui, dans cette histoire, savaient comment on faisait les gestes et comment est-ce que le loup montrait ses dents ou pas, enfin, d'un point de vue technique, quoi. Peut-être une dernière question ou réaction? Oui. Je vais vous donner mon micro, c'est rare. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Je n'étais pas allé le voir à sa sortie en salle de peur qu'il me déprime. Au final, il m'a déprimé, mais je l'ai adoré. Par contre, j'étais allé voir Loin des Hommes et Lost River, je crois que vous avez tendance, enfin, qui sont sortis la même année, donc deux films complètement différents. Hippocrate aussi, qui est en gros. Comment vous choisissez vos rôles, en quelque sorte? Par la qualité du scénario, c'est-à-dire qu'un bon scénario, en quelques pages, on sent si
si les dialogues sont justes, si y a une respiration qui ressemble à la respiration de la vie dans ce qui est dit dans les silences, dans ce qui est décrit, ça se sent très très vite, très très rapidement. Et puis ça c'est peut-être le premier filtre, ensuite l'autre filtre c'est de ne pas refaire des choses que j'ai déjà faites, et pour le coup voilà, d'aller vers des choses inconnues qui me concernent, ou qui m'animent, ou qui m'intriguent, ou qui me mettent à travers une histoire qui me semble être une histoire intéressante pour que des gens se taisent pendant 1h30, 2h, ou parfois plus. Pour la regarder. C'est essentiellement voilà, les critères de mes choix. Merci beaucoup. Ah, alors, toute dernière question, oui, là-bas. Que quand vous choisissez, enfin, quand vous refusez un scénario, vous avez peur de passer à côté de quelque chose et d'un rôle que. Et après, quand vous le voyez à l'écran, est-ce que ça vous fait bizarre? Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai jamais eu de regret d'avoir refusé des choses et d'avoir vu les choses se faire. Et jamais je me suis dit, ah, j'aurais dû le faire. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix subjectif aussi. Et puis, tourner un film, c'est pas seulement ce qui va rester pour les gens, c'est du temps de vie, c'est du temps à le préparer, c'est du temps à vivre dans une espèce de promiscuité qui est presque celle d'un sous-marin. Enfin, quand on travaille avec une équipe pendant 12 heures par jour, pendant 3 mois, il faut vraiment avoir des raisons d'être là. Quoi. Et donc moi je fais ce choix qui n'est pas que un choix en fonction de ce qui va rester, en fonction du résultat, mais en fonction aussi des moments de vie que j'ai envie de passer. Et pour le moment, les deux sont plus ou moins liés. C'est-à-dire que les moments de vie que j'avais envie de passer ont fait des films que j'avais envie de faire, et l'inverse, non. Mais de temps en temps, oui, il y a en tout cas cette crainte de se dire... Enfin, c'est plus que d'être sur la dynamique de la crainte, moi, c'est plus d'examiner... Non, mais... C'est-à-dire, une fois que c'est refusé, c'est refusé. Mais par contre, de pas laisser d'autres personnes choisir à ma place, et quand bien même des fois d'autres personnes lisent avant moi, de toujours jeter un œil. Je continue de faire ça, quel que soit d'où vient le scénario. Si quelqu'un envoie un scénario à mon agence en production, quoi, même si elle le lit et qu'elle me dit non, c'est pas terrible, j'ai besoin de lire quelques pages, de mettre un peu mon nez dedans avant de décliner. Parce qu'on a toujours envie de voir arriver des projets d'où qu'ils viennent, qui soient des choses nouvelles, c'est-à-dire que c'est enfin, des choses nouvelles et intéressantes, et qui ont quelque chose de nouveau à apporter. Moi, je suis pas acteur pour juste apporter du carburant dans une machine qui existe déjà, quoi. J'ai envie de participer à des nouveaux trucs. Et ça me ferait mal d'en rater, mais ça peut arriver après. C'est pas si grave. Question importante. Est-ce que vos films sont diffusés à l'étranger? Est-ce qu'on peut voir vos films, en fait, est-ce que vos films sont diffusés à l'étranger ou ont été diffusés à l'étranger? Et si oui, en Europe ou en dehors de l'Europe, pourquoi pas aux États-Unis? Est-ce qu'on vous a pas fait l'appel aussi? Par exemple, par Hollywood, mais je ne sais pas. Alors oui, les films français, en général, sont pas mal diffusés à l'étranger. Et les films dans lesquels je joue, oui, c'est difficile de vous faire la liste, mais dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Et en Algérie, alors en Algérie, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de système d'exploitation de salles en Algérie. C'est un grand problème. Mais en revanche, à la télévision algérienne, il y a pas mal de films dans lesquels j'ai joué qui sont passés. Et puis les Algériens sont très doués dans l'art de télécharger des films, ce qui est une très bonne nouvelle pour toute l'Afrique. Parce que du coup, des pays qui n'ont pas de cinéma peuvent avoir accès à tout ce qu'on fait, ce qui est pas mal. Et quid du film Loin des Hommes en Algérie? Loin des Hommes, alors il n'est pas passé sur la télévision nationale algérienne, mais il a été vu, je pense, par pas mal d'Algériens. Ouais.
Et vous avez eu aussi des rôles dans des films, on va dire, internationaux, comme Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'affaire, on va dire, Ben Laden. Il est passé cette semaine, non, c'est ça? Il n'était pas dans le cycle... Pas dans le cycle du forum. Ou Lost River, dont on a parlé, de Ryan Gosling, qui est un film très, très surprenant et très beau. Un film américain, oui. Indépendant américain, qu'on a tourné à Détroit, aux États-Unis. Je joue un chauffeur de taxi américain. Ah. Notre métier. C'est taxi driver, enfin bus, non? In a way. Bien. Et une toute dernière question. Ah, pardon. Donc demain, le dernière projection en présence de Reda Kateb, et avec notamment vos premiers pas en tant que réalisateur pour un court-métrage qui s'appelle Pitchoun et que je vous recommande demain. Voilà, donc merci beaucoup à Reda. Si vous voulez venir, bienvenue. Demain, c'est à quelle heure, Pitchoun? 17h30, voilà. 17h30. Voilà, 17h30. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.